Ils étaient nombreux, hommes, femmes et jeunes venus de différents quartiers de Mongompoukou et qui ont répondu massivement présents à ce meeting, auquel Jean-François Kando, candidat du Parti congolais du travail aux législatives dans la circonscription unique de l'arrondissement 5 Mongompoukou, a livré son message axé sur la présentation de la direction de sa campagne et l'exhortation aux leaders d'opinion de voter le candidat du PCT, Jean-François Kando. Pour vous demander, est-ce que vous allez toujours voter pour le candidat Jean-François Kando, vous avez répondu quoi? Oui. Vous avez dit quoi? Oui. C'est pour cela que je voudrais dire ceci. Pour que le oui que vous prononcez unanimement puisse se concrétiser, déjà par le nombre que vous êtes ici, il faut un César. Il y a quelque chose qu'il faut avoir, à tout prix. Sinon, comme disait Kabadou, vous êtes pour rien utile. Est-ce que vous avez vos cartes d'électeurs? Oui. Est-ce que je peux les voir? Aussi a-t-il éclairé la lanterne sur son rôle de député. Mon rôle, c'est d'aller à l'Assemblée nationale, dire au gouvernement, répéter au gouvernement que ce sont des priorités nationales. Enfin, le candidat a demandé à ses mandants de garder ferme leur position face à toute influence, être fair play et vigilant. L'élection, ce n'est pas le moment pour nous de nous entre-déchirer. Ne déchirez pas les affiches des autres. Ne coupez pas les banderoles des autres. Soyez fair play. Même si on vous provoque, vous les laissez passer. Signalons que Jean-François Kando, candidat titulaire, a pour suppléant Fernand Kanza.